Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Depuis que je parle, c'est Reality chez vous. Je t'attendais parce que l'émission Écho des Arts, c'est une des plus belles émissions télépacifiques gagnées. Aujourd'hui, nous avons la chance pour nous présenter la rubrique Artisan. La rubrique Artisan est dans l'émission Écho des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler avec Sopmé Solage et Rylan Dorival. Rylan avec Sopmé, c'est deux artisans qui ont fait un paquet de bel travail dans le monde artisanal. Malgré la différence d'âge, ils n'ont pas jamais suspendu le goût pour faire que les haïtiens arrivent plus loin. Avant de découvrir des artisans, nous allons poser une question. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30, 1h45 AM, 7h30, 7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Depuis longtemps, nous connaissons le tambour, c'est un instrument qui fait partie du patrimoine culturel. C'est ça qui fait, depuis le tambour frappé, tout le monde levé danser. Sopmé Solage, c'est un artisan qui mettait le tambour ça en valeur dans la façon pâle. On a le découvrir. Merci, bon bagay. Parfois, même mon bon, ouais, les abat tambour. Depuis qu'il l'a ou même mon dans domaine ça. Bon moi, depuis le petit monde, vous comprenez, papa me c'est bah ça au lit qu'on fait tambour et plus estati. Même moi, ou fait ou se fait danser là, ou bat tambour en bien pendant me dire pas qu'on bat li ou parfois, mais moi très fort parce que moi même m'a fait démonstration se faire. Qui est-ce qui montre au bat tambour? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais ou même pas qu'on bat. Mais est-ce que c'est seulement tambour fait avec et statue? Ça, c'est moi qui fais. Bah, artisan en métal, métal découpé et puis c'est statue ça. Ok. Combien de temps avant? Bon, ça pour me faire pour le peinture, je vais faire dans 4 jours. Pourquoi je peinture pour mettre sur vous? Est-ce que c'est une peinture spéciale ou bien? Oui, une peinture spéciale. Oui. Je vais acheter dans le magasin. Ça prend combien de temps? Bon, ça a 3 jours que je vais faire. Combien de temps vous avez fait un papillon comme ça? Bon, un papillon comme ça, ça dépend de 600 $, 500 $. Je vends même 1 000 $. L'été, quand on a un tourisme, on doit vendre ça à $100 américains. Mais va gagner, bah, comme ça. Le tambour, ça pour moi, fait une durée une semaine. Qui bon joue le matériau? Bon, je m'ai acheté. Oui. Dans qui zone? Bon, je m'ai acheté bien loin parce que à chaque fois, là, on a un droit qu'on a construit. Vous comprenez, il y a un droit qui a un pied pour aller couper. Vous comprenez, ça me l'a dit. Là, on a un droit qui a même pas couper bois ou comprendre ça me le dollar bois son bail et nous doit protéger moi même à chaque fois tant que statut ça tambour c'est bois ou comprendre côté mon a fait construction ou comprendre yo gain doit couper bois et puis moi même moi la terre puis moi m'acheter même
même ou travaille avec peau bête. Donc parlez-nous un peu de ça. Bon, ça c'est peau bœuf. Pour m'acheter. Pour aller dans qui bon prend l'île, l'abattoir ou bien ça? Bon, ton côté tu es bœuf. Toujours qu'on a l'acheter pour me couvrir dans le boulot. Mais comment fait-elle comme si comme ça avec qui sont collés bois pour sortir comme ça la donne? Bon poa et fort poa sec. On va marcher poa tout vert et puis mettre le dans soleil, moi chercher l'elle fin chercher et puis qu'on y a me tremper dans de l'eau. Comprenez? Qu'on y a pour me couvrir dans bois. OK. Moi il y a toute dimension, il y a gros, il y a petit. Petit ça pour qui ça? Est-ce que c'est pour décoration ou bien pour tout le monde? Petit li bon pour décoration, le bon pour tout le monde. Pour pas un conseil pour les petits jeunes qui vont venir. Bon moi même dis ça conseil m'était qu'à bailler jeune yo comprendre ça me le doula moi même pendant m'était jeune ou comprendre ça me le am son monde qui respectait mon en pile depuis l'em petit ou comprendre moi même t'a souhaité toute jeune yo qu'a garder moi pour yo kembe même chemin m'était ou comprendre te suivre là ou comprendre pour ne pas quitter ses âmes, pour y mettre dans mes yeux, pour y apprendre un métier, pour y être capable de vivre et puis aller à l'école et puis accepter Christ comme sauveur personnel. Très bien, merci en pile. Ok. Qui point de contact ou t'as quitté dans mon monde qui t'a besoin? Y a un tambour ou bien y a un fer découpé dans mes yeux ou bien un statue? Bon, moi, mon téléphone, moi, c'est 37 70 64 52. Ok, 37 70 64 52. Voilà, nous sommes découvrir qui importance tambour gagner dans kilti haïtienne avec artisan Sopner. C'est toi qui montrer côté pour l'ouvrir. Si c'est pas ça, artisan d'Orival pas t'a préparer toute belle zèv ça yo. On a découvert qui ça vous fait à Toti. Nous avons mis ça. Et puis en 74, ça nous dégage pays à dégage pays. On est en Bangui, pays ça. Nous pas gâteau. Personne pas venir là-dedans. Qui bon où joue une belle potot sur ça? Galant mer, Chardonnier, Jacques Mel en savon, depuis que tu galant la mer. Et vous même qui bat aux couleurs ça? Oui, on prépare. Combien de temps tu prends pour réparer ça? Bah, on joue à préparer. Bah, c'est le bagage, il faut le bien chercher. Pour le bagage, ça doit dans les potes pays avec. Non, nous avons tout dit, nous avons carrette, nous avons toute qualité. Je te connais bon l'argent pour notre travail. Nous comptons travailler pour blanc, travailler pour monde. Mais qu'on y a pas grand vin prend pour voyager. Mon vin pas entré, on y va marcher. Les gommes n'ont là à vendre 1000 gouttes. Qui veut dire bah yoche, le racheter, faire ou préparer bah ça. Okay, sablé, acheter sablé, on fait sablé. On y a dans $50. Je connais caille sur eux. Ça me gagne caille qu'on y a pas là. Et caille ça, c'est lui qui fait bout de son, lui fait son dos. On fait bracelet, on met dans mon dans poêle tout. Blanc même l'eau l'acheter, les gars on fait gobelet avec la boîte d'eau parce qu'on sait les valgans pareil pour le travail avec. Mais nous même bon, tel comme ça va gagner. Gagne le même genre. Si vous tirez pas livre, vous allez vendre pas livre. L'eau bien acheter au même. L'eau pour des banques, l'eau pour des sangs et cailles. Mais si nous besoin cailles là, nous cailles vendre. Parce que les gars on calme tout d'eau, le bar ça ou acheter. Je fais boutons, je fais anneaux, je fais bracelets, je fais tout le bail avec. Et on bise, c'est un bijou. Ok. Mais en bas votre lit, en bas votre là, toujours où ça va? C'est pour un besoin même. Quand vous êtes là, vous tout utilisé en bas votre là même. Vous avez viens là, utilisez à votre. En bas, oui, vous avez en bas votre qui est belle dans le Saudi. Pas en bas, on va sabler. Oui, non, on va sabler. Oh, ok, sabler. Ça, c'est côte lit, le bail ça.
Combien vous avez ça? Bon, yo 1500 euros, 1000 dollars, on va payer tout. Quand on a fait le meilleur marché, parce qu'on a vu à Vinci, vous pouvez payer au cher, vous pouvez payer au cher, il faut qu'on vende cher pour qu'on rentre comme là. Voilà, amis téléspectateurs, c'est là nous mettez fin avec belle émission équipe artisan tepote pour jodi an. Nous pas oublier remercier miraculeuse production qui habille Jean-Noël nan la. Si toutefois ou t'as besoin yon habillement comme ça, pas négliger rele nan 47 56 71 36 qui situé colli nan Delma 70. Pendant un bon courage, restez branchés à la télévision Pacifique. Quant à nous-mêmes, nous retournons la semaine prochaine pour un autre artisan.